Ce jeudi 13 avril, la police de Daytona Beach a annoncé la disparition inquiétante de l'acteur Drake Bell et font un appel au témoignage pour le retrouver au plus vite. Drake Bell, un acteur américain aperçu dans les séries Drake et Josh et The Amanda Show, est considéré comme disparu et en danger, a annoncé ce jeudi 13 avril la police de Daytona Beach dans un message sur Facebook partagé par Variety. Selon le rapport de police, le comédien de son vrai nom Jared Drake Bell a été vu pour la dernière fois à bord de son véhicule et son dernier emplacement connu est potentiellement le quartier de Mainland High School le 12 avril 2023 juste avant 21h. La police a ouvert un appel au témoignage dans le but de le retrouver le plus rapidement possible. Drake Bell, un acteur connu dans les années 2000 sur Nickelodeon, le comédien de 36 ans est devenu célèbre avec Josh Peck dans la série à succès de Nickelodeon Drake et Josh diffusée sur la chaîne de 2004 à 2007. Et avant ce spin-off centré sur son personnage et celui de son acolyte, il était un des personnages principaux de The Amanda Show aux côtés de la comédienne Amanda Bynes. Il était également en tête d'affiche d'une trilogie pour la chaîne pour enfants, incarnant Timmy Turner dans Mes parrains sont magiques, le film, Grandit Timmy, Mes parrains fêtent Noël et Mes parrains sont magiques, Aloha, aux côtés de la comédienne aperçue dans Victorious Daniela Monet. Du côté de sa vie privée, Drake Bell s'est séparé de sa femme Janet von Schmeli il y a plusieurs mois, et est le père d'un petit garçon. Une addiction à la drogue et une condamnation. Drake Bell et sa femme se sont séparés il y a plusieurs mois à cause de l'addiction du comédien, avait relaté People. Cette nouvelle a été annoncée plusieurs semaines après la diffusion de photos et une vidéo du comédien en train d'inhaler des ballons dans sa voiture alors qu'il était garé dans un magasin de vapotage californien alors que son fils était également dans le véhicule. Il aurait toutefois été pris en charge pour toxicomanie après cette affaire. Depuis juin 2021, Drake Bell est en probation dans le cadre d'un procès pendant lequel il a plaidé coupable à des accusations de mise en danger d'enfants. En effet, il a entretenu une relation avec une mineure, lui envoyant des photos privées, des messages sexuels, et l'a agressée sexuellement lorsqu'elle avait 15 ans. Il a ensuite été condamné à 2 ans de probation et 200 heures de travaux d'intérêt général. Majuscule, la police de Floride a indiqué que l'acteur Drake Bell a été retrouvé et qu'il était en sécurité. Pour le moment, nous pouvons confirmer que les responsables de l'application des lois sont en contact et que Bell est en sécurité, a publié le département de police de Daytona Beach sur Facebook. À lire aussi: mort de l'actrice coréenne Young Chae-yul, détective zombie sur Netflix, à 26 ans.